tous, Claire Tollet, je suis TTV Multimédia et je vais vous présenter aujourd'hui le Pélé Journal du Pélé d'août de Dordogne. Alors nous sommes actuellement à l'ancien stade du Château-l'Évêque où nous avons monté le camp, comme vous pouvez le voir, hier et aujourd'hui. Et nous aurons la joie d'accueillir les collégiens à partir de demain. Nous allons vous montrer une vidéo qui va vous montrer du coup l'étape du jour avec la chorégraphie que nous avons créée sur la musique de Thibaut Foignet, musique exclusivement composée pour le PLVTT, suivie de la veillée pour les staffs où les anciens staffs passeront le relais aux nouveaux. Oh, il est content! Ouais. Ouais. Maintenant, nous vous proposons une interview de l'OGM Quentin. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec notre invité, Quentin, qui est OGM. Et du coup, je vais lui poser quelques questions. Quentin, quel est ton rôle du coup sur le camp? Eh bien, je suis OGM, donc OGM assistant avec Adrien, on est en binôme. Et donc nous, notre rôle, donc on est directeur du camp. On fait en sorte que tout se passe bien sur le camp, que tout se passe pour le mieux. Donc on est responsable devant la loi du camp. Et puis après on est aussi en binôme avec le père Christophe pour, qui est GGG pour l'organisation générale du camp. Ouais. Voilà, donc on est un trio. Donc il y a plein de choses à gérer, j'imagine, que dans la partie organisation. Ouais. Et du coup, une journée type à peu près dans nos GM, ça peut toucher à tout en fait, c'est ça? C'est ça, il n'y a pas de journée type particulière, on fait en fonction de ce qu'on a à faire. Mais on va dire qu'on se réveille un peu avant tout le monde, on se couche un peu après. Mais sinon, il n'y a pas de journée type particulière. Okay. On est polyvalent. Partout, en fait. C'est ça, c'est ça. Intenable. D'accord, et du coup, peux-tu définir le PLVTT aux spectateurs qui nous regardent? Selon toi, pour toi, qu'est-ce que c'est le PLVTT? Qu'est-ce que c'est que le PLVTT? Vaste question. Je définirais le PLVTT comme une aventure à la fois humaine, conviviale, spirituelle. C'est avant tout un pèlerinage. Mais où tout le monde trouve sa place, aussi bien ceux qui pratiquent régulièrement comme ceux qui ne sont pas du tout pratiquants, pas du tout baptisés. Donc les VTT, c'est vraiment fait pour tout le monde. Bon. On y trouve tous sa place, qu'on soit plus jeune en tant que collégien, plus âgé en tant que TTV ou en tant qu'animateur. Oui, parce qu'il y a des gens de plus tard, en fait, sur le camp. Ah oui. Vraiment. De 11 à 80 ans à peu près. Ah, voilà. Ah oui, donc ok. Et comment as-tu connu le PLVTT, toi? Alors j'ai connu le PLVTT. Mon premier PLVTT c'était en 2011, de mémoire. Et je l'ai connu. Comment je l'ai connu? Ça doit être le père Bruno de Beru, de mon père, qui a dû m'en parler. D'accord. Je pense. Ça remonte, alors je suis plus vraiment très sûr. Du coup, tu t'es dit, allons-y, pourquoi pas. Et, c'est ça. Et du coup, t'as fait quoi avant d'être OGM? Avant d'être OGM, j'ai été TTV pendant au Pays de Juillet, donc il n'y a pas très longtemps. Sinon, avant, j'ai été animateur pendant 3 ans. J'ai été staff 1 an et collégien 4 ans, je pense.
Ok, et est-ce que tu veux juste rappeler aux spectateurs qui nous regardent un peu quel est le rôle de chacun chacune des personnes que tu as citées? Oui, les collégiens, eux, leur rôle, c'est de pédaler, de profiter à fond du PLVTT. Les staffs, donc les lycéens en t-shirt jaune, eux, leur rôle, c'est d'être au service du camp. Donc en temps normal, ils montent et ils démontent le camp chaque jour. C'est leur gros travail. Là, cette année, on a dû modifier un peu, qu'on est en camp fixe. Mais du coup, on garde toujours ce service. Et donc les staffs iront faire des services à la cathédrale de Périgueux, à la ville Chancelade, chez les sœurs à Château-l'Évêque. Voilà. Ensuite, les animateurs en t-shirt bleu. Eux, donc ils encadrent les jeunes, ils sont entre 2 et 3 par équipe, et c'est ils animent leur équipe. Ils mettent de la bonne humeur, de l'énergie. Exactement. Avec les collégiens. Et les TTV du coup? Et les TTV en t-shirt rouge, ben eux ils s'occupent de toute la logistique, donc il y en a à l'intendance, il y en a au parcours, il y en a à l'infirmerie, au secrétariat, à la réparation de vélo, à la technique. Il y en a partout, ils sont partout. Et après, on a aussi les t-shirts verts, les ABS, donc eux, les prêtres, les diacres, les séminaristes, les religieuses. Et donc, ils sont avec les équipes qui pédalent aussi et qui animent la partie spirituelle de ce pèlerinage. Ben voilà, ça nous fait une charmante équipe, hein, tout ça. Et ça fait beaucoup de monde aussi sur les camps. Et un dernier mot pour la fin, aurais-tu une anecdote à nous raconter ou un épisode qui t'a marqué parmi tous les PLVTT que tu as fait, une histoire ou quoi que ce soit? Non, mais du coup, quelque chose qui m'a marqué. Ouais. C'est ma. Du coup, mon tout premier PLVTT, donc à cette époque-là, j'étais pas baptisé, j'allais jamais à la messe, il n'y a rien, j'étais pas croyant. Et du coup, j'ai fait le PLVTT et dans mon équipe, il y avait un jeune qui avait le même âge que moi, pareil, et qui lui a été en demande de baptême à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il a amené à demander le baptême et tout ça. Donc on discutait et tout, et puis je pense que ça a aussi été un déclic pour moi. Bon, après, c'est beau, c'est une très belle histoire, et ça montre bien que du PLV, certaines choses peuvent émerger. Tout à fait. Et bien, merci beaucoup, Quentin. Merci, Claire. Voilà, avec un nouvel invité, Caleb, qui est TTV technique, qui nous racontera son parcours au PLVTT. Puis nous suivrons la suite du pèlerinage à 20h grâce au Péléjournal où nous ferons un débrief de la journée des collégiens où nous les accueillerons et ces derniers feront leur première boucle. Puis à 20h30, vous pourrez nous retrouver pour la veillée qui sera en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook au lien suivant. À savoir facebook.com/sdpjj24 ou sur Instagram au PLVTT24. Bonne soirée à tous!